réparer. Ah, parce que c'est pas de ma faute. Comment ça, pas de ta faute? Tu m'avais pas dit que tu te chargeais de la réparer? Ouais, ben, je vais en charger, mais... Sylvain a pas eu le temps. Ben, oui, non, non. Pas besoin de Sylvain, là. Je suis capable de faire l'entretien de la maison tout seul. Ah, c'est pour ça que le gazon est long. Pas si long que ça, là. Puis que la planche à clôture est encore fendue. Fendue. Pas exagéré. La gouttière traîne encore sur le côté de la maison, puis que les fleurs sont encore dans un petit pot de styrofoam, puis l'entrée du garage est pleine de poussière, puis que le barbecue est crotté. Bon, j'avoue que j'ai peut-être été un peu négligent, là, mais je vais remédier à la situation, là. En demandant à Sylvain, je te gage? Oui, non, je suis capable de faire ça tout seul. Bon, OK, je vais lui demander un peu d'aide. OK, c'est Sylvain qui va tout faire. Tu trouves pas que t'en mets un peu trop sur les épaules de Sylvain? C'est pas correct de profiter d'un ami comme ça. Un ami? J'ai-tu bien entendu te qualifier de Sylvain d'ami? De connaissance, d'abord. De tâche, tu veux dire. Faut pas mélanger amitié avec voisinage. Le voisin est à l'amitié, ce que le cabanon est à la maison. T'en veux pas nécessairement, mais c'est là quand tu l'achètes. Donc, pour toi, Sylvain est juste l'équivalent d'un vulgaire cabanon. Ben non, Sylvain n'est pas vulgaire. Tu pourras pas toujours te fier sur Sylvain. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus là, quand tu seras plus partie de notre vie? Boire du champagne. En tout cas, moi, je trouve pas ça correct que tu exploites un gars aussi gentil que Sylvain. Je l'exploite pas, je fais juste utiliser une de ses grandes qualités. Sa serviabilité? Non, sa naïveté. Bon, ben moi, là, je te laisse avec tes bébelles et ton esclave. Bon, les grands mots. Sylvain pour mon esclave pantoute. Salut! Salut! Ça y est, François, c'est réparé. Tu vas pouvoir me donner un grand coup de fouet à la grandeur. Ah, ben merci. Je sais pas comment je vais faire pour te remercier. Ah, moi, je le sais. Hein? Moi, ce qui me ferait plaisir, là, c'est qu'on passe une belle journée ensemble. Ah, ça dépend. De quoi? On va-tu être au même endroit? Ben oui. Ah, ben, faut que je pense. Hey, sais-tu? On pourrait aller au glissade d'eau, hein? Après ça, on ferait une petite game de mini-pot, puis on finirait ça chez nous par une belle épluchette de blé d'Inde. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, ben, tu sais, ça me tente au bout, là, mais... C'est parce que j'ai plein de choses à réparer, puis... Ah, comme quoi? Je peux t'aider, tu sais? Ah, non, je voudrais surtout pas abuser de toi. Ah. Abuse, j'aime ça! Ben, il y a ma clôture qui est brisée, là, je l'ai fendue en clouant un clou dedans, là, puis... Ah! Elle est en quoi? Elle est en bois. Ah, ouais, mais quelle sorte de bois? En pain. Ah, pain blanc, pain brun. En pain brun, elle a l'air en santé. Ah! C'est une affaire de rien. Je te répare ça, là, pour vos glissades d'eau, hein? Ah, mais c'est parce qu'il y a aussi le gazon, là, puis il y a ma chaise à réparer, puis il y a la gouttière aussi, puis... Hey, ça en fait des affaires à faire, hein? Ça n'arrête pas quand t'es propriétaire, tu le sais. Ouais. Puis qui va réparer ça? Ben, j'avais pensé que... Ah, tu pensais que j'allais te réparer ça comme ça, là, sans problème, comme un gars qui se laisse exploiter, c'est ça? Ben non, j'allais t'aider. Ah, je t'ai eu, hein? T'es pas vu à la face, hein? Tu pensais, là, que j'étais en colère, hein? Ben non. À vous? Ben non. Ah ouais, à vous? OK, j'avoue, arrête de me fesser, bon. Bon, OK. Ouais, on répare ça, là, ta clôture, puis on va au glissade d'eau. C'est parce que je suis en retard pour le bureau. Il faut vraiment que j'y aille. Ça te dérange-tu si je te laisse faire ça tout seul? Ben oui, mais il est juste 8 heures du matin. Je le sais, mais il faut que je rentre de bonne heure. Ah, OK. Moi, le faire tout seul. Merci, t'es bien smart. Ah, puis en passant, si t'as le temps, mais vraiment, si t'as le temps, il y a le garage aussi. C'est un peu le bordel. Là, si tu peux nettoyer ça. OK. Merci, t'es bien smart. Je te dis, je commence à aimer ça, la banlieue. Pardon? Ah. Pas la banlieue comme telle, mais le fait que j'ai quelqu'un chez nous qui fait tous les travaux et qui me coûte gratis. Ça te dérange pas d'exploiter Sylvain comme ça? Il aime ça. Ah, ça lui fait plaisir de me faire plaisir. Je suis comme un chum, un grand frère, un dieu peut-être. Un dieu cheap, mais un dieu pareil. Oh, j'ai un téléphone à faire. Bon, elle s'appelle comment? Jacinthe. Jacinthe? Oui. Pas la Jacinthe de Québec? Oui, Jacinthe, la fille de Québec. Celle avec qui j'ai jamais pu encore consommer le fruit de l'amour, mais avec qui, dès ce soir, je vais prendre une mordée dans le fruit défendu. C'est parce que ça fait 2 ans que tu me dis ça.
Oui, mais il arrive toujours quelque chose pour nous en empêcher. Une fois, mes parents étaient chez nous, on n'a pas pu. Une fois, je suis allé à Québec, elle était au chevet de sa grand-mère, on n'a pas pu. Puis l'année passée, ben, on avait un problème de taille, on m'a dit. Lequel? Elle avait un chum. Ça t'arrête pas d'habitude, là? Non, mais c'était vraiment un problème de taille, là. Il était gros, son chum. Puis là? On s'est parlé hier, puis elle arrive de Québec ce matin pour un colloque, puis ce soir, on passe à l'attaque. Ah! Oh. Enfin, depuis le temps que tu m'en parles. Ah oui, écoute, hey, je suis tellement fébrile, là. On dirait que le fait que j'ai pas pu coucher avec elle, là, au cours des deux dernières années, là, j'ai encore plus de passion pour elle. Tu sais, je me sens comme un barrage, là, qui aura accumulé de l'eau pendant deux ans, là, qui est sur le point... qui est sur le point d'éclater, là, puis de déverser son liquide partout, là. Salut. Salut. Est-ce que je peux entrer? Vas-y. Dorian, faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Dorian, est-ce que t'as l'impression que François te prend pour acquise? Ben, oui. Ah, toi aussi. Mais moi, c'est normal, on est mariés. Moi, je sais plus quoi faire. Hein. J'ai de plus en plus l'impression que François me prend pour acquise. Hein. qui s'occupe pas de moi, puis qu'à la limite, qui m'ignore, tu sais. Puis ça, là, c'est tellement pas le fun, là. Écoute, Sylvain, je sais pas quoi te dire. Mais t'aurais pas une solution, quelque chose? Salut, c'est moi. Salut, Julie. Entre. Quoi de neuf? Ça, Dorian, ça. Lysistrata. Ça se soigne-tu? C'est pas une maladie, Dorian, c'est une pièce de théâtre. Mais qu'est-ce que je dis là, moi? C'est plus qu'une pièce de théâtre, c'est un mouvement. Bon, encore une patente de protestation, je te gage. Oui, mais là, c'est quelque chose d'original et de pacifique. La grève du sexe. Quoi? Oui, madame, c'est ça, Lysistrata. C'est une pièce de théâtre grecque dans laquelle les femmes décident de faire la grève du sexe pour convaincre leur mari d'arrêter de faire la guerre. Mais ça marche pas fort, ton affaire. Depuis le temps des Grecs, il y en a eu, puis pas à peu près des guerres. Mais oui, mais c'est parce que c'était de la fiction. Là, on va le faire pour vrai. C'est fou tout le pouvoir qu'on peut avoir sur nos chums puis nos maris quand on les tient par le bas-ventre. T'en as même pas de chums. C'est un détail. Non, ce qui compte, c'est de sensibiliser les gens au problème des guerres sur la planète. Tu penses pas que c'est le contraire qui risque de se produire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, mais il me semble qu'un gars qui a pas de sexe depuis un bon bout de temps, c'est là qu'il devient agressif puis qu'il a envie de se battre. Non, du tout, du tout, non. Sylvain, toi, comment tu réagirais si ta conjointe faisait la grève du sexe? Ah, je sais pas, moi, ça fait deux ans que ma femme m'a mise en lock-out. De toute façon, c'est connu que c'est la faiblesse des hommes. Et il n'y a rien de mieux pour faire réagir quelqu'un qui te prend pour acquis. Ou qui se désintéresse de toi. Ou pire, qui t'ignore complètement. C'est ça que je vais faire avec François. La grève du sexe? Non, je vais faire la grève du voisin. Vous allez voir, il va s'ennuyer de moi. Mais ça se fait que les réparations sont pas faites, là. La chaise est encore brisée. Ben, c'est parce que tu t'en es pas occupé, chérie. Ben, mais Sylvain, lui. Ah, Sylvain. Figure-toi donc que Sylvain a décidé de faire la grève. La grève? Oui, il veut que tu t'ennuies de lui. Es-tu sérieuse? Moi, je veux m'ennuyer de lui. La grève est bonne. Mais là, il fera pas du piquetage devant la porte, là. Ben non, il va faire la grève chez eux. Puis il viendrait plus ici? C'est ça. Jamais? Ben, à moins que t'aies besoin de lui puis que tu lui demandes. Yeah! Ah, vois-tu, c'est ça que ça prenait. Je l'aurais fait ça avant. Au fait, c'est quoi j'ai fait pour qu'il fasse la grève de moi? Tu l'as pris pour acquis. Pas en tout. Pas pris pour acquis, je l'ai pris pour comme bouche-trou. Telle bonne nouvelle. Mais c'est vrai, hein, que t'as tendance à prendre les gens, là, pour acquis. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, que t'es plus aussi attentionné envers moi que tu l'étais au début. Ben, c'est sûr, au début, j'essaie de te séduire. Ben, tous les gars sont de même. Au début, on est fin, puis attentionné, puis après ça, on change. Il y a une date d'expiration sur un homme. Après un certain temps, l'amant dans votre lit devient l'aimant sur le sofa. Hein? Qu'est-ce que tu dirais si je faisais la grève du sexe? Tu le fais pas déjà? Du tout.
avoue que tu fais quelques journées d'études de temps en temps. C'est ce que tu penses, mais c'est parce que tu as un taux d'absentéisme très élevé. Je suis content de te revoir. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Deux ans. Deux ans. Il me semble que c'est la première fois que... OK. Ben, qu'il n'y a rien entre nous deux. Ah non? Non, non, je veux dire qu'il n'y a aucun obstacle. Ah! Je sais pas, ça dérangerait que... On n'est pas au restaurant à prendre l'apéro, on pourrait aller directement chez nous puis commander quelque chose. Ah, oh, t'es pressé, hein? Ça fait à peine une heure que je suis arrivé de Québec. Ouais, mais ça fait deux ans et une heure que j'attends ce moment-là. Oh, excuse-moi. Oui, allô? Ah, salut, Gilles. Oh non, t'es pas sérieux? Mais là, ça peut pas attendre à demain? Bon, ben, OK, d'abord. Oh non, c'est pas vrai. Dis-moi pas. Ben oui. On a un meeting urgent pour la présentation de demain. Ça a l'air qu'il y a un bug de dernière minute, là. Oui, mais ils ont absolument besoin de toi, là. Ben oui, c'est moi qui fais la présentation. T'en as pour la soirée? J'ai bien peur que oui. On va être obligé d'en mettre ça. Je te le dis, Dorian, ça marche, le mouvement Lysistrata. Tant que ça. Oui, ils ont fait une conférence, puis il y a déjà plusieurs groupes de femmes qui sont joints à ma démarche. Quel groupe de femmes? Ah, un foyer de personnes âgées, un asile psychiatrique puis un couventeur cloîtré. Mais là, c'est facile pour elles de faire la grève, ils ont même pas de conjoint. Mais puis ça, elles sont bienvenues quand même. C'est pas pire pour une première conférence, attends après celle de demain. Ah, parce que vous en faites une autre demain? Pour qui? L'Association des femmes dans le coma? Tiens! Chaise est réparée, on dirait une neuve. Là, tu l'as réparée avec de la corde? Ben oui, mais c'est solide, regarde. Bon, c'est parce que c'est frais fait, là. Faut la laisser reposer un peu. Jacinthe? Oui, j'ai réussi à me libérer avant ma présentation. On a combien de temps? Mais là, attends, là, je suis venue prendre un café, dire bonjour. Ah non, j'en peux plus, moi, là. Ça fait deux ans et une nuit là, que je rêve de toi. Puis pour une fois, qu'est-ce que je dis, c'est vrai, là. Écoute, je te veux, Jacinthe. Oui, mais moi non plus, je t'haïs pas, là, mais j'ai juste une heure. Non, non, mais c'est pas grave, ça. J'ai le goût de toi tout de suite. J'ai le goût de toi, là, là! Oh, oui. Salut, Alex. Salut François, t'as pas rencontré de trafic ce matin? Ben non, ça allait super bien, ces ponts. Ah, c'est dommage. Ben, je vais vous laisser travailler. On se rappelle, hein? Oui, c'est ça, plus tard. Bon timing, monsieur le banlieusard. Excuse-moi, là, mais vous avez eu le temps de vous amuser toute la nuit? Ben non, justement, elle a eu un empêchement. Écoute, je capote François, là. On dirait que plus je la veux, moins c'est possible. Je pense juste à elle. Tant que ça? Oui. Il y a trois filles qui m'ont invité pour un super à quatre. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai dit non. J'espérais que Jacinthe se libère, puis... Puis rien. François, je pense que je suis dépendant de Jacinthe. Tu sais quoi, toi, être dépendant de quelqu'un? Ben oui, figure-toi donc. Tu te trompes d'Ariane? Non, Sylvain. Tu trompes Dorian avec Sylvain? Non. Je suis en train de développer une dépendance à Sylvain. Je me rends compte que j'ai besoin de lui. Il a tellement envahi ma vie là, que c'est plus fort que moi, je suis comme intoxiqué. Je suis pas capable de me sevrer de lui. Il existe peut-être des patchs? C'est qui? C'est Dorian. Oh, OK. Regarde. Ça va? Oh, oui, ça va. Puis, François, comment tu as trouvé ça dur de pas me voir? Un peu, oui. Je pense que ta tactique va marcher. Ah, je le savais. Tu sais, ça paraît pas comme ça, mais derrière ce corps d'Apollon se cache un fin psychologue. Tu sais que c'est pas la première fois que je fais ça, hein? Ah, oh, non, je pensais le contraire. Oh, non, madame. T'sais, j'ai fait ça avec mes anciens voisins. Je les ai privés de ma présence pendant trois longs mois. Ça a-tu marché? Je ne sais pas, ils sont déménagés. Comme ça, François, il s'ennuie de moi.
Oui, il en fait même pitié. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait? Sylvain! Sylvain! Sylvain? Non. Mauvais numéro. Ah. Oui? T'as-tu Dieu dans ta vie? Oui. Ouais, mais t'as-tu le bon Dieu dans ta vie? C'est qui le bon Dieu? Le mien. Ah. Non, je pense que je l'ai pas. Tiens, lis ça, ça va t'apporter le paradis puis ça va te permettre de louer le Seigneur. Ah, bon. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Ben, c'est pas gratis, louer le Seigneur. Ah, alors, c'est combien? Ça dépend du bail, 20$, ça te va? Ben là, c'est cher. Dis-toi que c'est ça que ça coûte pour que le Seigneur te protège des gros gars menaçants qui se promènent dans ton quartier pis qui pourraient te faire bobo. Ah, ben OK, ben votre Dieu, j'en prends deux. Salut! Salut! Est-ce que je peux rentrer? Attends. Non, 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 c'est pas comme ça que Sylvain fait. Il entre, puis après ça, il demande s'il peut rentrer. Alors, recommence, recommence. Ah non, 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 non. Ah non, non, je suis tanné de voir Sylvain, là. Ah. On joue pas, j'essaie de le remplacer. C'est ridicule, j'y ressemble pas à Sylvain, là. J'ai sacrifié une soirée avec Jacinthe, là, puis tout ce que tu me fais faire, c'était un voisin tapon, là. Je le sais, je suis désolé, mais... Je suis en train de développer... Une dépendance à Sylvain. Puis? Ben, il me manque. Sylvain! Sylvain! Vous êtes charné! La palette s'en vient, vous êtes charné! Puis ça, c'est tellement bonne bonne! Salut. Salut. Ouais. T'entres chez nous par réfraction à cette heure? Méchant step pour un gars qui voulait pas me voir il y a une semaine. Non, je sais, j'ai pas été correct. Oh, parce que tu penses qu'en faisant le piteux pis en t'excusant, ça va être suffisant? Non, non, Sylvain, je me suis rendu compte que t'es important dans ma vie. Que tu fais partie de ma petite routine pis depuis que t'es parti, ben, je m'ennuie. J'aimerais ça que tu reviennes dans ma vie. Ouais, bel effort. Qu'est-ce que c'est, bel effort? Veux-tu me mettre à genoux, je te donne des fleurs? Non, mais... Mais quoi? On pourrait aller au glissade d'eau jouer au mini-pot après, hein? Là, t'as rien de prévu ce soir? Non. T'as fermé ton cellulaire? Oui, oui. Je sais pas si t'es comme moi, mais j'irai tout de suite chez nous, puis si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ça a pas l'air d'être tenté. Ben, c'est que vois-tu, ce matin, en plus de ma présentation, j'ai assisté à une conférence qui m'a beaucoup influencée. Ah. Ouais. Tellement que j'ai décidé d'adhérer au mouvement que ça prônait. Je fais la grève du sexe. Je te le dis, Doriane, la conférence a été un succès. Il y a plein de monde qui ont adhéré au mouvement Lysistrata. Puis pas juste des religieuses, des folles puis des frigides. Tant que ça, ben, ça me surprend. Mais pourquoi? Tu penses pas que c'est une démarche qui peut réussir? Ben, regarde, moi, là, je suis plus pour « faites l'amour, pas la guerre » plutôt que « faites pas l'amour puis il y aura plus de guerre bon. ». Il y a une chose de sûre, en tout cas, c'est que ça va nous permettre enfin de gagner une guerre, nous, les femmes. Quelle guerre? La guerre des sexes. Julie, il n'y a jamais personne qui va gagner la guerre des sexes. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'ennemis qui fraternisent ensemble. Salut! Hey, salut!
Passez une belle soirée. Ah, oh, mais, hein? Je l'ai clenché au mini-pot. Hein, François? Ah, oh, ouais. Hey, c'est le fun de voir que vous avez du plaisir ensemble. Bof. Hey, François, je vais aller me changer. Après ça, on écoute un bon film ensemble, OK? Hein? J'ai Jaws 4 chez nous. Hein? Attends-tu? On verra. Oh, on verra, on verra. Arrête de te faire tirer l'oreille. Je le sais que ça te tente. Je sais pas comment je vais faire. Comme tous ceux qui ont une dépendance, François. Un jour à la fois. Bonjour, je m'appelle François. Bonjour, François. Je m'appelle François et... Vas-y. Lâche pas. On est avec toi. Et je suis dépendant de mon voisin.